Merci de vous rendre au point presse. Voilà. Le premier défi, ce sera restaurer la confiance. Je crois qu'il faut redonner à espérer. Et dans un temps de désespérance, c'est difficile, mais c'est ça l'objectif premier, redonner confiance dans l'institution, redonner confiance en la France. Il faut impérativement qu'on aille chercher les déçus, ceux qui ne trouvent pas leur place dans les synagogues, ceux qui ne se sentent pas accueillis, pour mieux les accueillir, ouvrir nos synagogues. Je crois qu'il faut maintenant redire à la communauté juive de France, n'ayez pas peur, ayez confiance, retrouvez du bonheur à vivre ce que vous êtes. Vous en avez besoin et la France a besoin que vous soyez heureux. Le consistoire a toujours tendu la main à tout le monde. Le consistoire, c'est la maison ouverte du judaïsme. Le consistoire a toujours porté la diversité en lui. C'est sa force, sa richesse et c'est peut-être la garantie de son avenir. Allez, tu voyages, voilà. Monsieur le grand rabbin de France.